Bienvenue dans le 9e épisode de Mystic Quest. Je suis avec mon nouvel ami, Chocobo. Et pour l'instant... à quoi il sert? Il sert à marcher un peu plus vite, on va dire. Est-ce que je peux quand même me faire blesser? Ah, j'ai pas l'impression. Je suis invincible? Trop cool. Bon, par contre... j'ai quand même envie de tuer un peu des ennemis pour faire de l'expérience. Sinon, ça va mal finir tout ça. Ah, je peux pas ouvrir ce coffre. Alors, je peux toujours pas. C'est pas grave. C'est vrai que j'avais aussi ma nouvelle arme là, la lance. Je vais essayer de l'utiliser un petit peu. Aïe, aïe. Par là, il y avait quoi déjà? Il y avait le village. Ouais. Donc, faut aller par là. Dans le désert. Ouh, les scorpions. Pas gentil, scorpion, pas gentil. Allez, on va explorer le fameux désert. C'est toujours pareil, je tue les ennemis pour faire de l'expérience. Une oasis. Pour récupérer de la vie ou pas? Ou pas. Sniff. Enfin, c'est pas que je manque de vie, mais ça aurait été cool. Oh, c'est qui, eux? Vide. Eh, hey, on peut lancer des 6D ici. Coffre vide, non mais pique encore. Oula. Arg, la brume mortelle. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je suis empoisonné par la brume mortelle. Allez, antidote. Ah oui, au fait, je suis allé voir sur internet pour la sagesse et le cristal. Bah, la sagesse, évidemment, c'est pour augmenter temporairement les capacités magiques. Et le cristal... je sais plus. Je suis allé voir il y a quelques jours, juste après l'épisode précédent. Mince, pourquoi je vais là-bas? En fait, je me souviens plus très bien ce que j'ai lu. Parce que le cristal, c'est celui qui est super cher, je crois. Peut-être que c'est quelque chose qui m'améliore mon attaque. Et comme ça vaut 500 pièces d'or, j'ai pas très envie d'essayer. C'est quoi ce truc? Eh, pourquoi disparaissent les saletés de poissons, là? Tiens, d'ailleurs, j'ai pas encore sauvegardé dans cet épisode. Là, je suis tout à l'ouest. Est-ce que je peux pas aller sur l'eau à tout hasard? Ah non, on peut pas aller sur l'eau.
Ah, c'est à travers. Attends-moi. Bah quoi, attends-moi, attends, je l'ai pas perdu quand même. Ah non, c'est bon, il restait là. Combien de temps je cours avec toi? Non, je te laisse là pour le moment. Puisqu'apparemment, tu n'es pas admis dans les villes. Bienvenue à Jade. Davia contrôle la ville. Je le hais. Très accueillant. La mère de Davia est une méduse qui habite une grotte. Elle est à l'oasis du désert, mais très bien cachée. Ha ha. Je ne sais pas, mais un garçon sait y rentrer. Y a pas de musique? Tu vois ce grand manoir? C'est la maison de Davia. Non, je vois pas ce grand manoir. La brume est apparue quand la harpe s'est tuée, donc ça doit être la brume mortelle qui m'a empoisonné. Ça, c'est une grande maison. Serait-ce le manoir de Davia? Que j'ai d'ailleurs pas du tout envie de visiter tout de suite. Mais bon. Tiens-toi correctement dans cette ville. Amanda, mais bien sûr, cette fille. Elle alla à la grotte de Méduse. Pourtant, personne n'en est jamais revenu vivant. Ok. Et toi, tu parles pas? On peut pas passer les dialogues. Bon, c'est pas grave. Retour à l'extérieur de la ville où il n'y a pas de musique. Pour rompre le sort, il faut une larme de méduse. Le sort. La vallée au nord est couverte d'une brume mortelle, j'ai remarqué. Oui, d'accord. La grotte d'Oasis, donne-moi un sac de crocs. J'ai pas un sac de crocs. Bonjour, un objet à acheter ou à vendre? Alors je sais plus du tout ce que j'ai. J'ai encore quelques pioches. Potion de vie, bon j'ai rien, j'ai besoin de rien. Et t'as pas d'équipement à me vendre? Ah bah non, puisque on n'est pas chez un... on n'est pas dans une armurerie. Cristal 500. Auberge. Allons voir l'auberge. C'est bien si tu... c'est pas cher les auberges. Hein. De l'équipement. Alors, oh, plein d'or. Donc là, j'ai quoi actuellement comme équipement? J'ai l'argent qui m'aura pas duré très longtemps, mais c'est pas grave. Vu qu'on a plein de sous, on peut acheter des trucs en or. Voilà. Bouclier. Casque, armure. Ça va bien améliorer ma défense. Voilà, je vends les trucs en argent. Sauf l'épée, bien sûr. C'est cool. Me voilà rééquipé. Elle est grande, cette ville. Davia peut jeter un sort et changer un être en animal. Beaucoup de ceux qui allèrent chez lui ont disparu. Il est pas sympa.
Et est-ce que la larme de méduse, c'est ce qui permet de briser le sort des gens qui sont transformés en animal? Allez, je reprends le chocobo. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pris une antidote. Tant pis. Allez, on va visiter la suite du désert. Alors comme c'est grand, je vais essayer de le visiter méthodiquement. Ouais, donc là c'est bon. Au nord c'est bon. Yes. Allez, je veux de la force. Ça va, ils sont pas trop méchants, hein, les ennemis de... du désert. Je suis déjà allé là. Ah non. Ok, donc cette petite maison au bord de la plage. Oh. X éther, ça c'est pas mal. Je pense que c'est pour récupérer de la magie. Flamme 2, on s'en fout. Tout ça, je m'en fiche un peu de ces trucs-là. C'est pas des choses que j'utilise beaucoup. Avant, non, rien de particulier. Ok, bon. Sac de rubis. Ouais, ça, c'est un truc que j'aurais pu vendre. Allez, on continue par là. Ce désert est super grand quand même. Tiens, on va jeter une clé à la poubelle. Hop. C'est des choses qui se font pas, je sais. Sac de rubis. Et là, je suis où? Je suis tout au sud? Ah non, pas tout à fait. Donc là, je suis déjà venu. Une deuxième oasis. J'ai encore trop d'objets. C'est pénible ça. Le truc de sagesse, là je les ai jamais utilisés. Sac de rubis. Au pire, je pourrais retourner au magasin vendre mes 3 sacs de rubis. Et j'aurai de la place. Oh, c'est joli, ces petites plages. C'est tout mignon. Oula, je suis dans le mur. Le bug. Bon. J'aimerais bien ne pas me perdre. Mince. Zut. Une auberge? Bon, à la rigueur, pourquoi pas. Pas perdu beaucoup d'énergie, mais bon. D'ailleurs, pas du tout. J'ai peut-être fait ça pour rien. Tant pis. Vide. Bon, au moins, j'ai de la place pour du vide.
encore vide. Je sais pas si je suis déjà venu là. Ah, je suis déjà venu. Oh, je sais plus. Ah oui, d'accord, je suis là. Ah oui, là, je suis déjà venu, c'est sûr. Et là, là c'est... je sais plus. Ah oui, là, c'est là où j'étais au début. En fait, ça c'est l'entrée du désert. Hop. Donc logiquement c'est bizarre. Je pense avoir visité tout le désert. Ah non, mais j'étais pas venu. Encore une oasis. Donc, si j'ai tout visité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je trouve le sac de crocs pour le mec qui est dans la ville. Tiens, je vais mettre une vie à la poubelle. Oh. On peut même pas ouvrir un coffre vide quand on a trop d'objets. Ah, voilà. C'est ça que je cherchais. Et là, ah oui, là c'était l'auberge. Donc maintenant, il faut qu'on essaye de retrouver la ville de Jade. Profitera pour vendre tous les rubis. Comme ça, on sera riche et en plus, on aura des infos. Mais... ah. Je reviens. Donc alors. C'était lui, non? Tiens. Voici un indice. Les palmiers et 8 sont les mots-clés. Ouais, je me souviens. Heureusement que je me souviens, parce que c'est vraiment pas évident. Et en fait, quand je jouais à ça et que j'étais petit, j'avais été bloqué pendant plusieurs mois. Peut-être même un an, je sais plus. Avant que finalement, on soit débloqué grâce à un copain de ma sœur qui nous a donné la solution. Alors, je voulais... ah bah non, c'est bon, j'ai déjà... je suis pas concentré. J'ai déjà vendu mes trucs. Et voilà! Direction. Oui! Ah oui, d'accord. Voilà. Direction l'oasis avec les palmiers.
c'est-à-dire pas n'importe quelle oasis. C'est pas celle-là. Ah, je sais plus du tout où c'était. C'était là. Non. Ah, c'était là. Et donc, il y a des palmiers, une oasis. Et il faut faire un 8 autour des palmiers. Pire, c'est que ça marche pas. Il faut peut-être le faire dans l'autre sens. Il faut peut-être le faire sans le chocobo. En fait, il y a un petit temps d'arrêt quand on passe. Comme s'il appuyait sur des interrupteurs. Et voilà! Je reviens. Amanda, tu as pris le pendentif. Désolé, je devais l'apporter à Davia. Je voulais l'échanger contre mon frère. Hein? Et puis quand j'ai un frère, moi. Mais Dal, je pense qu'ils se sont trompés dans la traduction, c'est Amanda qui parle. Davia l'a transformé en perroquet. Il me faut les larmes de Méduse pour le délivrer. Ah, c'est bien ce que je pensais. Amanda, je vais t'aider. Merci. Ok. Bon, on ira visiter cette caverne dans le prochain épisode. Salut à tous.